Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose une troisième marguerite, aussi facile que les deux premières. Alors, il nous faut du fil, alors du jaune et du blanc, du fil, du coton, de la laine. Un crochet adapté à notre fil, une paire de ciseaux, une aiguille pour faire rentrer tous les fils. On commence par le jaune, le centre de la fleur. Alors, je fais mon nœud coulant, je le serre bien et je le compte pas, c'est juste pour serrer. Et je fais deux mailles en l'air, une et deux. Dans la deuxième, alors c'est de la boucle qui est sur le crochet, je la compte pas, je saute la première et je vais dans la deuxième, là, une, deux. Je fais 8 demi-brides. Alors la demi-bride, je fais un jeté, je passe mon crochet, je ramène le fil, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles et on fait 8 demi-bride. Là, c'est ma deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais directement sur ma première demi-bride, je passe mon crochet et je fais une maille coulée et on a terminé notre rang. Une maille en l'air et on coupe notre fil et on a terminé avec le jaune. Avec le fil blanc, je pique dans une des mailles. Je ramène mon fil. Je fais une maille en l'air pour bloquer. Après, je fais deux mailles en l'air. Sous le même point, là où j'ai ramené mon fil et je l'ai bloqué sur cette maille, je fais deux brides. Sous le même point. Alors, ma première bride, une deuxième. Après, je sépare avec deux mailles en l'air, c'est des mailles de séparation. Et je reviens sous le même point et je refais deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air et je reviens ici sous le même point et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre premier pétale. On passe à la suivante. Je vais me déplacer dans la prochaine maille ici et je fais une maille coulée pour commencer le deuxième pétale. On va répéter la même chose. Deux mailles en l'air. Un jeté sous le même point, sous la même maille. Je fais deux brides. Une et deux. Deux mailles de séparation. Je reviens sous le même point et je rajoute deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Une, deux. Je reviens sous la même maille, toujours en élastique. Et je fais une maille coulée. On a terminé notre deuxième pétale. Je me déplace vers la prochaine avec une maille coulée.
Pour commencer, le troisième pétale, toujours une, deux. Deux brides sous le même point. Ma première et ma deuxième. Deux mailles de séparation et je reviens sous le même point et je refais deux brides. Quand je termine les deux brides, je répète les deux mailles en l'air, je reviens sous le même point et une maille coulée. Et on refait la même chose. Maintenant, je me déplace sur la prochaine à l'aide d'une maille coulée et je fais la même chose. Deux mailles en l'air, deux brides sous le même point, deux mailles en l'air, deux brides, je reviens le même point. Et dans le même point, et je fais deux mailles en l'air et je fais ma maille coulée toujours sous le même point. Pour chaque pétale, on utilise une maille. On aura en tout, à la fin du rang, on aura 8 pétales. J'ai terminé mon huitième pétale. J'ai fait une maille coulée dans la dernière maille. Je fais une maille en l'air maintenant. Et je coupe mon fil. Et voilà, on a terminé notre marguerite. J'ai enfilé mon aiguille. Je vais faire passer juste les fils, les cacher sous mes brides. Voilà, jusqu'à ce que je les cache tous. J'ai terminé ma marguerite. J'espère que ça va vous aider à réaliser la vôtre. Alors, j'ai fait deux essais, une avec la laine et une avec le coton. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!